Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Courrier des abonnés, l'édition numéro 69, qui risque d'être une édition absolument incroyable, je le sens. Alors, pas beaucoup de courriers aujourd'hui, donc on aura le temps, ce sera une vidéo qui sera un peu moins longue que d'habitude. Vous le voyez, on a ici quelques lettres, j'ai reçu un peu moins de courriers en ce moment, mais, là, j'ai eu, regardez-moi ça, un colis, les amis. Je peux vous dire, je sens que je vais être comme un fou à l'ouverture de ce colis qu'un gentil abonné m'a envoyé, qui visiblement me connaît bien. A priori, ça me fera super plaisir. On va voir ça. On va garder ça pour la fin naturellement, mais là je sens que ça va juste être une folie totale. Alors on y va, on a une petite dizaine de lettres à ouvrir, même pas. Donc, courrier des abonnés numéro 69. C'est parti, let's go. Et pour cette toute première lettre, c'est Enzo qui m'envoie ce courrier. Enzo, voyons ça. Que m'as-tu envoyé? Bonjour, super héros et compagnie, j'espère que tu vas bien. Ouais, merci, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Et que Super Lunette et Théo vont bien, eux aussi. Ouais, t'inquiète, ça va très très bien, merci. Je t'envoie un dessin Among Us. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans, j'adore tes vidéos de Mario, de Hot Wheels et les jeux vidéo. Merci beaucoup mon ami, et voici donc Among Us. Il est toujours aussi populaire ce jeu auprès de vous. C'est vrai qu'il y a un moment c'était la vraie folie et j'ai l'impression que ça se calme un tout petit peu. Hein. Il y a des jeux comme ça qui sont à la mode pendant un moment et après, eh bien, on n'en entend plus parler. Bon, en tout cas, merci Enzo pour ta lettre. Et on continue avec le courrier suivant qui nous vient de Belgique. Je reconnais ici bien le timbre, c'est Bastien qui m'écrit. Bastien de Belgique. Alors Bastien, voyons ça. Cher super héros et compagnie, je veux que vous continuiez, je te corrige, hein, entre temps, les vidéos de Treasure X et de Lego Harry Potter. Au revoir, Bastien Journée. Alors Bastien, je sais pas si tu l'as vu, mais effectivement, hein, j'ai bien continué les Treasure X puisque je vous ai montré Treasure X Minecraft. Et j'en ai encore quelques-uns en stock que je vais pouvoir vous présenter. Et là, tu m'as fait un dessin, ça doit être un Treasure X également. Merci beaucoup Bastien pour ta participation à cette vidéo. Allons-y, let's go! Courrier suivant. Là, je sens qu'on a des cartes à l'intérieur. Alors. Eh oui, des cartes Pokémon. Voyons ça. Il y a un petit mot également. Oh, les super dessins de Pokémon que t'as fait là. Magnifique. Prindibou est superbe. Bonjour, super héros et compagnie, comment ça va? C'est la deuxième fois que je t'écris, j'espère que tu m'as pas oublié, c'est Mohamed Ali. Tu peux faire des vidéos de légende Pokémon Arceus. J'aime tes vidéos, j'aime pas tes vidéos de Star Wars. Ah bah désolé, mais si tu les aimes pas, d'autres les aimeront à ta place. Quant à légende Pokémon Arceus, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai une chaîne de gaming et ça fait bien longtemps que j'ai fini le jeu dessus. Donc tu vas pouvoir y aller, ça s'appelle Hero Game Company et tu vas trouver toutes les vidéos que j'ai faites sur ce jeu là. Magnifique dessin, tu dessines super bien. Waouh, il est superbe celui-ci, je sais pas trop ce que ça représente. Mais ça a l'air d'être un Pokémon. Un dresseur et un Pokémon, ouais. Excellent, bravo. T'es un très bon dessinateur. Voyons voir maintenant les cartes que tu m'as envoyées. Alors, nous avons un Mélofée, Nénupio, Brindibou, justement, un Brocélome, Fennec, Fampi, Salamèche, le grand classique, Ponyta de Galar, excellent, Cabriolen, Onyx, Type 0, celui-ci, il est classe, hein. Je crois pas que je l'ai déjà, celui-là. Argouste, Cresselia, et nous avons ici Silveroi, Cavalier du Froid. Alors, est-ce que c'est une vraie carte, celle-ci? C'est une carte V. Oui, c'est une carte V originale. C'est juste vraiment très très dommage qu'elle soit tellement abîmée. Tu l'as pliée un peu de partout. Et des cartes comme ça, hein, quand tu as des cartes magnifiques comme ça, il faut en prendre énormément soin. Car... ça me fait un peu mal au cœur pour cette carte car elle est superbe. Vraiment, elle est très très belle. Merci beaucoup à Mohamed Ali de m'avoir écrit. Ça déjà, c'est vraiment super sympa de ta part. Tout comme c'est le cas du suivant. L'abonné suivant s'appelle Elliot. Hop! Et encore trois lettres et nous serons prêts à ouvrir le colis de fou qui est ici.
Oh, écrit à la machine. Le 27 avril. Waouh, ça remonte quasiment un mois. C'est fou, ça a mis du temps à venir ce truc, ce courrier. Bonjour Super Héros et compagnie, je m'appelle Elliot. J'ai 7 ans et demi et je vais avoir 8 ans le 18 août. J'aime Ghostbusters, j'ai la base et aussi les personnages. J'ai Ecto One. Alors c'est sans H hein, le Ecto, hein, c'est juste un E. Avec la base, j'adore tes vidéos. J'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur Pokémon. Gros bisous, signé. Gros bisous Frédéric, d'accord, bah merci beaucoup. Bah Pokémon, sur quoi Pokémon? Sur des personnages, sur des cartes, sur du jeu vidéo? Tu aurais dû préciser mon ami. Ensuite, qu'est-ce que nous avions dans l'enveloppe également? Ah, les fameuses cartes Marvel. Réveille ton pouvoir. J'en ai plein des comme ça. Merci Elliot, c'est cool. Enveloppe suivante. Oh là là, alors celle-ci... Celle-ci me paraît bien garnie. Ah là, ouais, regardez ça. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Oh, super, les autocollants. Les autocollants Encanto sur ta lettre. Ça, Super Lunette, elle va adorer car Encanto est son dessin animé préféré du moment. Et c'est vrai qu'il est super classe. Même nous, hein, on l'adore, on n'arrête pas de se passer les chansons, notamment la fameuse « Ne parlons pas de Bruno, no, no ». Trop classe. Elle est là, Mirabelle. Superbe. Bonjour Fred, Super Héros et compagnie, je m'appelle Jayden. J'habite près de Poitiers, Futuroscope. Ah, c'est cool, j'y étais jamais au Futuroscope, faudrait qu'on y aille un jour. J'ai 6 ans, j'adore tes vidéos de Trésorix, plus particulièrement les Dino Gold. Je pose, alors tu voulais dire possède sûrement 7 Dino Gold actuellement. J'aime aussi tes vidéos sur les Hot Wheels, les Monster Trucks, Trésorix, Feu contre glace, les vidéos sur les Lego, j'aime bien aussi les Pokémon. Dans une pub, j'ai vu des nouveaux Trésorix aller sortir. Eh ben oui, bah ça y est, c'est déjà présenté sur la chaîne, c'est les Minecraft. As-tu pu aller voir Encanto de Disney? Car moi, j'ai beaucoup adoré. Alors oui, bah je viens justement d'en parler en début de vidéo et je vois que tu adores, effectivement. Je te souhaite une bonne continuation dans tes vidéos, signé Jayden. PS, je t'offre quelques cartes Marvel et la carte Trésorix Dino Gold pour que tu puisses voir ma collection avec mon papa. On a comme objectif Thorax. C'est la deuxième fois que je t'écris. Super Diplodocus. Ben merci beaucoup Jayden. Merci pour ta lettre. On va maintenant découvrir ce que tu as mis en plus dans l'enveloppe. La fameuse carte des Dino Gold. Alors je sais même pas si on en trouve encore car ça commence à dater maintenant un tout petit peu. Hein. Là, t'as coché en fait tout ce que tu as et toi, tu voulais Thorax. Ouais, Thorax, tu m'étonnes, il est super cool. Ensuite, voyons voir tes cartes. Là, ce sont les cartes... Ouais, ça c'est cool. Elles sont belles. Ah, les Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup ça. Vraiment, je les aime beaucoup. Très classe. Merci beaucoup, ces autocollants vont faire plaisir à quelqu'un, à savoir Théo qui aime bien en coller un peu partout. Alors, ensuite, ah ben, voilà, encore des cartes, réveille ton pouvoir, ah cool Vanda, c'est excellent. Ah oh, oui, Captain Carter, j'ai adoré les séries What If, c'était excellent. Oh, Thor, il est beau là, en version brillante. Bon, cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ça doit être la suite. Yes, encore des cartes Marvel. Réveille ton pouvoir. J'en ai plein, c'est incroyable. Drax, c'est superbe. Groot, c'est vraiment des très belles cartes et des super personnages. Dans les Marvel, il n'y a absolument rien à dire. Bon, bah merci beaucoup mon ami. Ça fait super plaisir. Maintenant, nous avons encore une enveloppe. Et après... on va s'attaquer au méga colis. Alors, ici, c'est... Tiens, j'ai l'impression que c'est une fille qui m'a écrit. Elle s'appelle Lali. Voyons ça. Alors. J'ai une carte Pokémon qui date de 1995. C'est Carapuce. Eh bien, t'as beaucoup de chance. Hein. Garde-la précieusement, celle-ci. Et surtout, ne l'abîme pas. Alors... Le mardi 10 mai, j'ai eu le Covid. J'ai fait 2 tests de Covid. Ma maman l'a eu aussi. Oh bah je suis vraiment désolé pour toi. J'espère que depuis tu vas mieux. Nous aussi malheureusement à la maison, on n'y a pas échappé. Coucou Super Héros et compagnie, je m'appelle Lali, j'ai 8 ans et demi. J'en ai presque 9, mon anniversaire est le 26 mai. Ah mais c'est jeudi? Mais ça sera demain? Eh bah écoute,
Bon anniversaire, Lali. Bon anniversaire. J'espère que tu vas être super gâtée. J'adore tes vidéos de courrier d'abonnés. Je t'aime. À bientôt, signé Lali. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Regardez-moi ce très très beau dessin d'arc-en-ciel avec des papillons arc-en-ciel. C'est super classe. Et les fameux trucs à gratter qui sont super beaux. Hein. Je vous ai déjà dit ça, mais j'adorais ça quand j'étais petit. Et là, tu m'as fait un super dessin arc-en-ciel. Il est super beau, hein, vraiment. Merci une nouvelle fois, les amis, pour toutes vos lettres. Ça me fait comme à chaque fois super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et maintenant, les amis, il est temps d'ouvrir ce colis-là. Je suis hyper impatient car ça fait quelques jours que je l'ai et que je ne l'ai pas ouvert. Donc, je sens que ça va être Noël avant l'heure. Alors, ce colis-là m'a été envoyé par Franck et sa famille. Franck, dont le pseudo est également la bulle du passionné, c'est effectivement un passionné, un papa qui partage pas mal de centres d'intérêt avec moi. Et c'est vrai qu'on a toujours quelques échanges très très sympathiques sur Instagram. Et un jour il m'a dit, tiens, je vais t'envoyer un truc, ça va te faire super plaisir car j'ai une passion récente, vous le voyez sans doute si vous suivez mon compte Instagram, pour les vinyles. Je me suis mis au vinyle et j'échange souvent avec Franck. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse prochainement une vidéo au sujet des vinyles si ça vous intéresse car j'ai quelques petites belles éditions à vous montrer. Et là, manifestement, il m'a envoyé un truc qui devrait me plaire et qu'il avait en double. Donc on y va. On ouvre ça et je suis vraiment impatient de découvrir ce qu'il a bien pu m'envoyer. Il faut que je fasse attention de ne pas couper dedans. On va faire ça tout en douceur. Allez, vous êtes prêts? On découvre. Alors attention, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Ah, déjà un super dessin! Waouh! Excellent! C'est moi avec, vous voyez, la petite nouveauté. Je tiens dans la main un vinyle. Merci, Super Hero et compagnie, pour toutes tes vidéos de jouets de gaming. Signé Elliot, 6 ans. Ah, ça fait super plaisir. C'est excellent. Là, d'ailleurs, il y a un petit logo YouTube qui est super cool. Là, la photo est derrière. Salut Fred, voici un petit cadeau qui, je pense, va te faire plaisir. Merci pour tous ces moments très sympathiques que nous passons en famille devant toutes tes vidéos Lego Treasure X ainsi que des vidéos de gaming. A plus sur Insta, Franck PS, il y a une autre surprise cachée à l'intérieur. À toi de la trouver. Ok, d'accord. Alors, on tourne de l'autre côté et voici la petite famille. Nous avons Élise, la maman, Elliot, le petit garçon et Franck. Franck que voici. Et là, on a qui? C'est Noam, le plus grand. Eh bien, les gars, merci beaucoup. Hein. Déjà, par avance, merci beaucoup pour le cadeau. Et Franck, merci pour tous les conseils précieux que tu me donnes à chaque fois sur Instagram. Et maintenant, il est temps d'ouvrir et de découvrir ce que Franck et sa famille m'ont envoyé. Là, c'est bien caché. Hein. Il a vraiment bien emballé tout ça pour que ça arrive. Oh la vache, que ça arrive sain et sauf. What? Mais c'est dingue ça. Attends, c'est pas possible. Oh non. Oh là 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 là. Alors, deuxième surprise, je vais la chercher tout à l'heure. On va se concentrer sur ce truc pour l'instant. Non mais attends, je suis sidéré, Franck. C'est trop. C'est incroyable. Oh là là là. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous avez reconnu cette silhouette ici? Non? Oui? Le tout dans une petite pochette de protection de Bono Alawa. Il s'agit du soundtrack, de la bande son du jeu God of War. Mais un truc de fou! Édition Mondo en plus. Oh là 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 là. Mais Franck, mais t'abuses! C'est abusé! La couverture, elle est superbe. Elle est vraiment absolument magnifique. J'hallucine. Oh, non mais c'est un cadeau de dingue! Non mais. Je m'attendais pas du tout à ça, hein. Franchement, hein. Alors, on va voir l'intérieur. Il y a deux disques, manifestement. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est magnifique. Encore une édition de Dingo que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Ça m'a l'air d'être un vinyle 180 grammes. Donc, à mon avis, au niveau écoute, ça va être superbe. On va également regarder le deuxième. Non, mais c'est fou. Regardez la pochette, la main, elle est brillante. Superbe. Et là, nous avons Kratos. Quel beau portrait de Kratos.
magnifique, juste magnifique. Et là, pareil, hop, on va vite regarder à l'intérieur. Ah oh là là, God of War en vinyle. Non mais c'est dingue, là tu m'as vraiment effectivement fait hyper plaisir. Franck, c'est fou. Vous imaginez même pas les amis, hein, vous imaginez pas. Car mine de rien, hein, cet album de God of War, non seulement il est absolument superbe, hein, la présentation est magnifique et c'est pour ça que je me suis vos vinyles et que j'aime ça, mais en plus, c'est que cet album n'est plus disponible dans le commerce. On ne peut plus le trouver, donc ça veut dire que, bah oui, il est forcément introuvable, mais qu'il est super rare et qu'il vaut une petite fortune, donc voilà, franchement, les mots me manquent, vraiment, là... je t'embrasse Franck, vraiment, et c'est vraiment très classe, hein. C'est tellement, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est tellement beau que j'en reviens pas. Franchement, là, je sais plus quoi dire, les mots me manquent, c'est un vinyle d'une telle beauté qui n'est plus dispo. God of War, j'avais joué à God of War 3 sur PS3. Mais le tout dernier, je n'y ai pas encore joué, donc ça va vraiment être une découverte de ce double album et de ce soundtrack qui, je pense, doit être absolument exceptionnel. D'ailleurs, Franck, tu pourras me dire ce que tu en penses en commentaire ou sur Instagram. Maintenant, a priori, il y avait encore un cadeau caché dans le carton, donc on va y retourner et on va essayer de trouver. Alors, des cadeaux cachés encore. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir reçu un truc aussi fou, une édition tellement rare. Attendez, il est vide le carton. Il y a quelque chose de caché dans le revers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, trop cool! Des minifigs de Lego. Voyons ça de plus près. Oh, et pas n'importe lesquels. Oh là là, mais ça c'est cool. Ce ne sont que des minifigs que je n'ai pas. Regardez, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est classe. Ah, il est superbe celui-ci. Attendez, il y a quoi d'autre? Ah bah, nous avons ici Anna de la Reine des Neiges. Ok, pareil, ça j'ai pas non plus. Ça y est, voilà, elle a ça, j'allais dire sa perruque, mais non, ce sont ses vrais cheveux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Oh non, c'est mini! La mini classique en noir et blanc de l'époque qui était sur le... C'était sur le Steamboat Willie aussi, je pense, hein, c'est ça? Je me trompe pas. Avec ici un cadeau. Alors, est-ce que c'est le cadeau de mini ou est-ce que c'est le cadeau qui était avec l'étrange Noël de Monsieur, avec Monsieur Jack? Mais elle est super... Cette figue, elle est super classe. Hein, le fait qu'elle soit en noir et blanc, justement. Ensuite, nous avons Dumbledore. Là aussi, très très beau. Je ne crois pas l'avoir dans cette version. Car il est là, vous le voyez, avec son phénix fume sec. Cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça appartient à qui ça? Faudra que vous me le mettiez en commentaire, les amis. La baguette, elle appartient à Dumbledore. Et ça appartient peut-être à Anna ou à Jack. Et peut-être la plus belle de ce lot, il s'agit là de Jafar. Jafar, le méchant de Aladdin, et là on est sur de la très très belle figue, les amis, elle est superbe. Il a même deux expressions de visage. Là, hop, je vais prendre celle-ci, je l'aime beaucoup cette expression comme ça. Regardez, là il est super classe, Jafar. Oh là là, là vous m'avez vraiment super gâté une fois de plus, les gars, hein. Voici donc toutes les figurines qui étaient cachées dans la boîte et elles sont vraiment superbes. Visez-moi ça, laquelle vous préférez, vous? Moi, c'est difficile, hein. J'hésite entre Mini, Jack et Jafar qui arrive là, qui est juste ici et qui est absolument sidérant. Je crois que je vais prendre Jafar sur ce coup-là. Il est vraiment, vraiment top. Bon, bah ça y est, les amis, on en a terminé. Encore une édition courrier des abonnés, juste absolument dinguissime, les gars. Ça fait... les mots me manquent, hein. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de lettres. Et alors, on termine en apothéose avec ce colis qui nous vient d'une autre planète. C'est dingue, hein. De magnifiques minifigs, vous les avez vus. Oh, bah ça va super bien, regardez, il y a le château de Disney justement derrière. C'est cool. Et alors, cette édition-là, cette édition de God of War que je vais m'empresser d'écouter, qui est juste absolument dinguissime.
Merci à Élise, à Franck, à Noam et à Elliot, à toute la famille pour me suivre au quotidien et bien pour m'avoir envoyé ça, car franchement, je ne m'y attendais absolument pas. C'est un magnifique cadeau et je peux vous dire que vous avez vraiment fait un heureux avec cet envoi-là. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Voilà, c'était l'édition numéro 69, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très très bientôt, à savoir ce week-end, pour la suite des vidéos de Super Héros et compagnie. Et la semaine prochaine, sans doute, on verra si j'ai du courrier, car là, je n'ai plus rien. J'ai plus de stock de lettres. J'ai tout épuisé. Ce sera pour l'épisode 70, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Merci à tous et à très très bientôt pour de prochaines vidéos sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye. Ciao.